on a essayé de reproduire une recette qu'on a vue passer à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux. Donc, c'était du poulet avec des cornflakes et qu'on pouvait faire la cuisson dans le air fryer. Donc, on a pris nos cornflakes qu'on a écrasés et ensuite le poulet, on l'a coupé en assez gros morceaux, je vous dirais, qu'on a épicé avec des épices, que ça peut être du chili, de l'ail en poudre. Et vous pouvez en mettre aussi dans les cornflakes, donc pour que ça prenne la saveur aussi. Donc, on met dans les œufs, on met dans le cornflake et voilà, on envoie dans le air fryer pour 360 à 370 degrés pendant 16 minutes, mais on va retourner à la mi-cuisson. Donc, vous pouvez mettre 8 minutes et à 8 minutes, vous allez retourner le poulet et remettre un autre 8 minutes par la suite pour que ça soit bien cuit. Donc, voilà. Là, on s'entend que c'est la première fois qu'on l'utilise. Donc, on n'est pas très habitué encore, mais ça va venir. On a mis de l'huile d'olive donc par-dessus pour aider un petit peu la cause. Et avec ça, on s'est fait de la mayonnaise épicée, puis on s'est fait des tomates, des avocats, de la laitue. Et moi, j'ai pris la version un petit peu plus santé. En tout cas, j'ai essayé un petit peu plus santé. On voit la cuisson, là, c'est vraiment parfait. Moi, j'ai mangé ça avec dans une laitue, en fait, dans une grosse feuille de laitue. Et mon chum a mangé avec... un pain pita. Donc, voilà, on a le résultat. C'était excellent!